Vous vous en doutez si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment, mais j'adore les films qui me font frissonner. Vous savez, ces moments de cinéma où on est à cran, complètement accroché à notre fauteuil, en attendant de voir si les personnages vont réussir à survivre à une aventure, simplement parce que ils ont réussi à retenir notre attention et à nous happer au sein de leur histoire. Au cœur du cinéma, il n'y a rien de plus exaltant que d'être totalement plongé dans l'univers d'un métrage, de ressentir chaque émotion distillée face à une caméra qui nous pousse à croire à 200% à ce qu'un réalisateur, par le biais de sa vision, de son utilisation de la caméra, de son jeu avec les émotions à sa disposition, qui lui permettra de créer une œuvre fascinante, et souvent passionnante et prenante de bout en bout. Et cela, je pense que le thriller est un genre qui sait exactement comment jouer avec cette base évoquée ici présente. Une base qui permet de se plonger au cœur d'une aventure, mais surtout de croire plus que jamais à un univers, à des personnages, à une situation, bref, de se dire que tout ce qui se passe à l'écran est plus que crédible. Et s'avère surtout être une expérience que l'on n'oubliera pas de sitôt, car cela nous aura fait ressentir énormément d'émotions et nous aura marqué par la justesse de sa forme et de son fond. C'est peut-être ça tout simplement un bon film. C'est ce que j'aime profondément dans le thriller. C'est que, bien au-delà de simplement chercher à nous captiver, c'est un genre cinématographique qui se sert du cinéma pour captiver. Je crois que c'est un genre qui me captive pour la simple et bonne raison qu'il peut être combiné avec n'importe quel autre genre du 7e art et donner lieu à quelque chose de toujours fascinant. Car je crois avoir vu de tout dans le genre du thriller. De l'espionnage, en passant par le fantastique, en bifurquant un tout petit peu du côté du cinéma d'épouvante, bref. Le thriller est un genre caméléon, et c'est pour cela que je l'apprécie autant. Le thriller, c'est un peu encore et toujours mêlé à la peur et à cette idée que l'on puisse rester tétanisé devant l'idée même de mourir, car au cœur du thriller, il y a l'idée de mort, l'idée de persécution, l'idée de souffrir et de ne pas avoir la moindre chance de voir dans l'humanité, par la suite, une certaine forme de bonté, de douceur, de tendresse et de sagesse. Et c'est un peu ce qui m'a toujours fasciné dans le genre, et ce qui fait qu'encore aujourd'hui, je ressens le besoin de retourner vers ce genre lorsque je doute de la fraîcheur et de l'inventivité du cinéma. Et comme je l'ai souvent dit depuis le début de cette chaîne, et depuis le début de cette année 2019 d'ailleurs, c'est l'un des genres que je trouve être le plus intéressant en ces heures sombres de l'humanité, parvenant à saisir à la fois de la noirceur, mais également une certaine quintessence de notre époque. Une noirceur et une quintessence que je trouve particulièrement fascinante lorsqu'on est cinéphile, alors j'imagine même pas ce que ça doit être pour un spectateur. L'un de mes premiers chocs dans le genre, je crois, si je remonte loin dans le temps, ce fut sans le moindre doute M le Maudit, qui reste encore à ce jour l'un de mes films préférés de Fritz Lang, si ce n'est le préféré. Tant je trouve qu'il y a toute l'essence de son cinéma dans cette histoire et dans la manière avec laquelle il choisit de construire la crainte et la montée en puissance de cette enquête fascinante et puissante. Bien sûr, dans le même genre, j'aurais pu penser à La Nuit du Chasseur, mais je trouve que le film de Lang a été et reste encore aujourd'hui l'un de mes premiers chocs cinématographiques de mon éducation filmique. Et je pense profondément que je me souviendrai toujours du regard glacé de M, de ce ballon partant haut dans le ciel et de ce sifflement terrifiant, mais également si juste qui le caractérisait. M le Maudit est une grande et imposante œuvre de cinéma, magnifique par son aspect visuel, tétanisante par sa puissance dramatique et juste incroyable de justesse par l'impact que le long métrage a eu avec le temps sur le monde du cinéma. Laisser une trace indélébile dans la tête du spectateur, c'est là toute la puissance et la force du genre du thriller. Une trace qui est pour moi symbolisée à merveille par un personnage emblématique du cinéma. Un personnage qui, au tout début des années 70, cherchait à coincer un tueur sanguinaire assassinant les jeunes femmes dans la ville de San Francisco, porté par un acteur immense et impérial devenu culte pour moi à partir de ce film. L'inspecteur Harry, son 47 Magnum et la gueule de Clint Eastwood symbolisent pour moi parfaitement l'essence même d'un thriller dans ce genre que celui-ci a de plus policier et de plus charismatique, parvenant à galvaniser l'attention du spectateur sur un anti-héros magnifique et génial, porté par une intrigue passionnante et terrifiante, et mis en scène avec brio par un Don Siegel qui comprend parfaitement comment mettre en scène la ville de San Francisco sans avoir besoin de trop en user. Bien plus que la révélation Eastwood, quand j'étais jeune, ce long métrage est avant tout la confirmation pour moi que le thriller était avant tout policier, était avant tout centré sur l'homme et se devait de comprendre pourquoi nous sommes parfois mauvais pour faire ressortir ensuite le bon que nous avons en chacun de nous. Un choc. C'est pour moi un mot qui définit assez bien ce que ce genre essaye de faire sur le spectateur. L'un de mes autres premiers chocs de jeunesse fut un film que j'ai regardé alors que techniquement je n'avais pas vraiment l'âge de le voir. Un thriller autour d'un braquage foireux, porté par un casting qui allait bercer ma cinéphilie, et mis en scène par un cinéaste de renom qui encore aujourd'hui est un gage de qualité presque à lui seul, Reservoir Dogs,
est un brillant moment de tension. Un thriller de précision où dialogue ciselé laisse place aux séquences d'interrogatoire ou de débriefing glaçantes, ponctuées par quelques fragments de bravoure et de créativité cinématographique dont seul Tarantino avait le secret à l'époque et qui lui ont depuis été très largement repompés, mais toujours avec une certaine forme d'hommage présente derrière. Je pense profondément que c'est le film qui m'a fait tomber amoureux de Tarantino, bien plus que Pulp Fiction, étrangement, même si je suis tout autant fan de ce deuxième. Mais là, on était sur une claque tellement impressionnante et je n'étais pas supposé avoir l'âge pour le regarder que c'est à ce moment-là que Tarantino m'a mis un énorme uppercut. Mettre à mal le spectateur pour ensuite retourner complètement la situation et lui faire regarder d'un autre œil ce qui vient d'arriver au personnage, c'est pour moi toute l'essence même d'un très bon thriller. Les années 90 furent gorgées pour moi de cela, à l'image de Seven, qui, je le pense profondément, a dû en influencer plus d'un parmi vous, dont moi bien sûr, et encore aujourd'hui, il reste un de ces longs métrages que je regarde encore et encore en ne me lassant jamais de contempler la maestria avec laquelle David Fincher a réussi à construire une œuvre parfaite et imposante de bout en bout. Que ce soit ce fantastique générique d'ouverture, devenu culte d'ailleurs, que ce soit les performances brillantes d'un jeune Brad Pitt, d'une élégante Gwyneth Paltrow, d'un fantastique Morgan Freeman, mais surtout d'un Kevin Spacey juste exceptionnel, tout est brillant dans ce film, tétanisant et brutal au possible. On se sent happé par chaque seconde de cette œuvre extraordinaire et passionnante qui reste en tête très longtemps après le visionnage, sans que l'on ait vraiment besoin de réfléchir à la teneur dramatique de celle-ci. Tant tout semble évident, même si c'est ce qui est suggéré, même si ce qui est vaguement évoqué, même si ce qui n'est pas présent à l'écran, mais qui au fond se ressent rien que par l'ambiance que développe David Fincher. Un immense morceau de cinéma qui reste en mémoire dès le premier visionnage, et je pense que vous ne me direz pas le contraire. Brutaliser le spectateur, mais également le faire réfléchir et le faire méditer sur la condition de l'homme face à la société. C'est plutôt un bon concept. Je me souviens également, dans les années 90, d'un immense fragment de cinéma, offert par un tout jeune cinéaste à l'époque, mais qui m'a profondément marqué, l'histoire d'un jeune homme convoqué dans un commissariat suite à l'explosion d'un cargo dans un port, appelé à témoigner pour raconter l'histoire d'un casse fantastique. Bryan Singer imposa au cœur de cette décennie un long métrage extraordinaire, une œuvre fantastique et rare de bout en bout, un jeu de manipulation devenu culte rien que par sa révélation finale et qui reste encore à ce jour pour moi l'une des plus belles performances de Kevin Spacey, mais pas que uniquement. Pour moi, ce long métrage est également la révélation de l'immense acteur qu'est Gabriel Byrne, fantastique interprète qui brille ici dans le rôle central d'un métrage qu'il domine totalement de bout en bout et qu'il sublime par son interprétation. C'est un immense morceau de ma jeunesse ici présent, mon premier coup de cœur découvert en DVD par pur hasard à l'époque où je demandais à ma mère de l'argent pour acheter des films toutes les semaines en DVD en cherchant les petites perles dans les bacs à 5€ des supermarchés. De découverte en découverte, au bout de ces films, après chacun d'entre eux, j'ai finalement pris conscience que le thriller était un film qui me faisait avant tout tomber amoureux des actions et de la manière avec laquelle l'être humain regarde la société. C'est un peu de tout cela qui m'a passionné dans le genre du thriller. Toute cette conception, cette idée, ce jeu entre le spectateur et un auteur qui ne cherche pas forcément à nous faire peur, mais plutôt à nous hypnotiser, à nous proposer une plongée parfois sombre, mais avant tout juste au sein du cinéma, une plongée de laquelle on ressortira certainement avec beaucoup de questions, mais des questions légitimes. Au cœur de ce genre, il y a pour moi tout ce qui fait la générosité et la justesse d'un cinéma qui joue avec cette idée de mystère, cette idée que l'on soit totalement passionné par un personnage et que l'on cherche à comprendre l'essence même du voyage cinématographique qu'il devra faire devant nous afin de voyager et de surtout réussir à cerner le pourquoi du comment il aura un impact sur nous à la fin d'une œuvre rare, frissonnante et palpitante. Un genre que je chéris énormément et dans lequel je n'hésite pas à me replonger dès que l'occasion se présente.